À quoi bon m'offrir tant de sacrifices? Quand vous venez vous présenter devant moi, qui donc vous a demandé d'encombrer mes parvis? Bien-aimé du Seigneur, voilà la question que Dieu pose à son peuple avec un ton de reproche. À l'époque du prophète Isaïe, en effet, le peuple pensait sans doute honorer Dieu en offrant des holocaustes de béliers, de taureaux, d'agneaux gras par milliers et en observant scrupuleusement les différentes fêtes et les cérémonies. Cependant, le Seigneur affirme par la bouche du prophète qu'il rejette toutes ces pratiques religieuses. Cessez de m'apporter de vaines offrandes, j'en ai horreur, je ne supporte plus ces fêtes sacrilèges. Mais qu'est-ce qui amène le Seigneur à rejeter ce culte et cet ensemble de rites? C'est qu'en réalité, Dieu qui voit le cœur des hommes, lui qui sonde les cœurs et les reins, constate que tous ces rites déployés sont purement extérieurs et ne sont pas accompagnés de la conversion du cœur. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est pourquoi Dieu dévoile les mauvaises dispositions de son peuple pour qu'il se corrige et rectifie sa conduite devant Dieu. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Voilà, frères et sœurs, le sacrifice qui plaît à Dieu et qui attire sa faveur. Quant à l'évangile de ce jour, il souligne la radicalité de la foi chrétienne dans la suite du Christ. Le Seigneur affirme de façon paradoxale qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais le glaive. Mais comment peut-on comprendre une telle affirmation de la part de celui que les prophètes ont nommé le prince de la paix? En réalité, il faut noter que le Seigneur veut nous introduire dans l'objectivité. Il savait très pertinemment que son évangile n'opérera pas l'unanimité chez tout le monde. La complexité du cœur de l'homme et ses inconstances feront surgir des obstacles à l'accueil de l'évangile, de sorte que dans une même maison, deux camps vont s'opposer face à la bonne nouvelle. Exactement comme l'avait prédit le vieillard Siméon, lorsque les parents de Jésus l'amenèrent au temple. Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et le Seigneur enchérit en disant que toute personne qui accueille l'évangile doit aller jusqu'au bout et surmonter tous les obstacles, même les affections des liens familiaux qui peuvent nous empêcher de suivre le Christ. Il convient de noter cependant, frères et sœurs, que l'amour du Christ ne vient pas pour détruire ou anéantir l'amour familial et nos liens sociaux. Bien au contraire, c'est en aimant le Christ plus que tout et en lui donnant la première place dans notre vie que nous saurons mieux aimer nos parents, nos sœurs et nos frères. C'est dans l'amour du Christ que nos liens familiaux se perfectionnent. C'est un amour qui va de pair avec l'abnégation et l'engagement pour la cause de l'Évangile. Nous comprenons alors pourquoi l'oraison d'ouverture du 15e dimanche du temps ordinaire demande au Seigneur de donner à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Que par l'intercession de Saint Bonaventure et par les mérites de cette Eucharistie, Dieu nous accorde la grâce de demeurer fidèles dans son amour dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.